Montanara. Votre feuilleton radiophonique sur la gouvernance, la démocratie et le développement. Montanara, ce programme est de Sèche-Foy Common Ground avec l'appui du département des États-Unis, du Bureau des droits de l'homme et du travail. Montanara. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans votre feuilleton radiophonique Wontanara. Dans le précédent épisode, Bambo et le vieux Kurungi ont perdu leur femme dans un éboulement. Soskino et la communauté se sont mis d'accord pour éviter un tel drame aux citoyens de Tunde. Aujourd'hui et toujours, dans la communauté de Tunde, Daroudi et ses coéquipiers bloquent tous les passages des camions de Soskino et demandent à la société de bitumer toutes les routes de Tunde car les tonnes de poussière qu'ils respirent sont devenues de véritables sources de maladies. Vont-ils réussir dans ce combat? Si vous suivez, chers auditeurs, cet épisode de votre feuilleton radiophonique préféré, vous aurez tous les détails possibles. Bonne écoute à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Écoutez les amis, écoutez. Un peu de calme s'il vous plaît, écoutez. S'il vous plaît, il faut qu'on s'organise. Merci. Soskino ne va pas nous tuer ici. Sur notre terre, la terre de nos ancêtres à petit feu. À travers cette poussière qui ne cesse de soulever expressément nos femmes et nos enfants et toute la famille en ont souffert. C'est vrai. On se plaint. Ils nous ont pas pris au sérieux. Mais ils sauront à travers cette manifestation que Tunde nous appartient. Donc, on doit nous écouter, n'est-ce pas? Oui. On va bloquer tous les camions et les véhicules de liaison de Soskino. On va le faire. Voilà. Hey, chauffeur, arrête. Arrête, aucun véhicule ne passera ici aujourd'hui. Tant que nos maisons souffriront de la poussière de Soskino, les véhicules de votre société ne passeront pas ici. Coupe le moteur, sinon on va brûler le camion. Arrêtez, chauffeur, descends. Regarde nos toits. Regarde toi-même comment tu es couvert de poussière. Très bien. Regarde nos toits, jette un coup d'œil. Le salon, les maisons d'en face, regarde comment c'est poussiéré. Tout est poussiéré ici. Poussière. Attends, vous voulez nous tuer à petit feu? C'est ce qu'il veut. Sur la terre de nos ancêtres? Ça ne marchera pas. N'est-ce pas les amis? Votre société ramasse des milliers et des milliards de l'argent ici. Impossible de goudronner la route qui vous donne ces richesses. Vraiment? Oui. D'ailleurs, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. C'est alors, pas bon. Une chose, que ça cesse ou on casse. Allez les amis, chantez après moi. On casse, casse. On casse, casse. On casse tout. On casse tout. On casse, casse. On casse, casse. On casse tout. On casse tout. Voilà, Collet est là. Collet. Mais, Daroudi. Oui. Que se passe-t-il ici? Daroudi, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Les amis, calmez-vous maintenant, calmez-vous, collègue là, calmez-vous. Mes collègues, oui. Tu ne devrais pas venir avec monsieur de la relation communautaire. On n'a pas besoin de lui ici. Calme-toi, Daroudi, calme-toi. De toute façon, monsieur de la relation communautaire est intermédiaire entre la société Soskino et notre communauté. On le sait bien, mais tout se passe sous ses yeux. Il connaît le nombre de malades causés par cette poussière. Notre communauté ne connaît qu'un seul diagnostic. Maladie pneumologique. Et c'est même devenu une épidémie plus dangereuse que... D'ailleurs, c'est bon. Visitez les concessions, de la terrasse aux chambres. Tout est poussière. Notre communauté ne connaît même pas la couleur blanche. Mais... Eh non, c'est bon. Je ne te parle pas, toi. Je m'adresse aux représentants de la jeunesse de Tunde qui est collé. Daroudi, calme-toi. Votre revendication est légale. Ouais. Calmez-vous. Je vous avais dit, calmez-vous les amis.
Je vous avais dit que nous sommes sur le bon chemin avec Colet et que Colet reste et demeure la bonne personne pour nous accompagner dans nos revendications. La poussière est la principale source de maladie de notre communauté. Ouais. Car même les aliments que nous mangeons sont malsains à cause de cette même poussière. Tout à fait. Et nous devons mettre fin à cela. N'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, nous ne devons pas écarter monsieur de la relation communautaire dans cette lutte. Pourquoi? Pourquoi ça? Hein? Il est informé de tout. C'est vrai qu'il est informé de tout. Mais quoi qu'il en soit, il reste notre intermédiaire idéal pour atteindre Soskino. Donc, vouloir l'écarter, nous risquons de perdre notre combat. Et retenez qu'aucun combat ne peut se gagner dans la violence. Quels que soient les défauts constatés chez messieurs de la relation communautaire, nous devons l'écouter pour mieux comprendre les causes qui sont à la base de cette situation. Ah, d'accord, d'accord. Il peut parler, mais... Il n'a qu'à dire ce qu'il peut dire, hein. Merci, monsieur Darodi. Merci à vous. Il y a des faits dans cette situation que vous ne maîtrisez pas. Lesquels? Tu vois, Colet, je t'avais dit, tu l'entends, qu'on est mal informé. Non, Daroudi. Ah? Non, Daroudi. Ne prenez pas mal cela. Peut-être qu'il a des informations pour nous. Il est beaucoup plus proche des autorités que nous. D'accord. Laissez-le parler. On l'écoute à nouveau. Merci. Au fait, Soskino est informé du mécontentement de la population de Toundé par rapport aux problèmes hygiéniques et sanitaires causés par la poussière. Donc vous vous moquez de nous, hein? D'ailleurs, arrêtons là tout ce bavardage inutile. Hey, barrez la circulation. Caillassez tous les véhicules qui forcent le passage. Allez, bout de l'autre côté. On y va. Accélérez. Daroudi. Allez, partez. Non, Daroudi. Collez, attends. Allez, on y va. Non, attendez, Daroudi. Oui. Daroudi. Oui. Attendez. Collez à parler. Daroudi. Oui. Nous sommes tous victimes dans cette situation. Je ne pense pas. Mais la violence n'a jamais gagné un combat. Nous devons accepter de dialoguer pour mieux cerner les problèmes afin de trouver les solutions. Hein? Mais tu ne veux pas du tout permettre à monsieur de la relation communautaire de s'exprimer. Ce qu'il dit n'est pas bon. Mais cela est dangereux. Nous devons souffrir de nous écouter. Ok, c'est bon. Il peut parler encore. Monsieur de la relation, vous bien, avez la parole. Il faut parler encore. Mais... Merci mes frères et sœurs. Pendant l'installation de notre société à Toundé, nous avons signé des accords avec la communauté portant sur la réalisation de certaines infrastructures de base. Je vous avoue que la majeure partie de ces accords est réalisée. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir à Toundé des centres de santé, des forages, des marchés et des écoles. Soskino continue et continuera à servir la population de Toundé. Et la poussière. La poussière. Malgré toutes ces réalisations, monsieur Daroudi, depuis notre installation, notre société verse chaque année un montant à la préfecture pour indemniser la population de Toundé pour sa gratitude et son accueil. Montant qu'on appelle taxe superficielle qui s'élève à 0,4% de nos productions. Ah bon? Ah oui. Ce montant est versé chaque année. Et d'ailleurs, nous avons entamé des démarches avec les autorités locales afin que ce montant soit directement versé au compte de Toundé. Ouais. Cela permettra aux autorités de Toundé, avec l'aide de Soskino, de réaliser des travaux de butinage, d'électrification et d'adduction en eau potable. Ouais. Ce n'est pas tout. Nous avons commandé des citernes pour arroser les pistes deux fois par jour en attendant le butinage. Ouais! Donc, mes frères et sœurs, soyons patients. On mettra bientôt fin à ce problème de poussière. Calmez-vous. Messieurs de la relation communautaire, tout est bien dit. On a commencé par ça et nous vous comprenons maintenant très bien. Merci pour les efforts. Les amis, retournons-nous à la maison. Collet, nous te laissons poursuivre la négociation. Kala, mais c'est pas Kala qui vient comme ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Kala?
La question du jour. Si les routes du district de Toundé ne sont pas bitumées, à qui la faute? La société, l'État ou les responsables locaux? Chers auditeurs et auditrices, c'est avec cette question que nous fermons portes et fenêtres de votre feuilleton radiophonique Wontanara. Vous pouvez la répondre aux différents numéros que vous entendrez à la fin de cette émission. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Wontanara. Votre feuilleton radiophonique sur la gouvernance, la démocratie et le développement. Wontanara, ce programme est de Sèche for Common Ground avec l'appui du département des États-Unis, du Bureau des droits de l'homme et du travail.